Yo les Poképotes, ici Pokédigger, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous réserve une ouverture assez sympathique, une ETB de la série Légende Brillante. Donc voilà, premier épisode de à la recherche du Mewtwo Incubateur Secret. Voilà. Donc on va essayer d'ouvrir cette box qui contient 10 boosters. Et essayer de voir si on peut choper un Mewtwo éventuellement. Ça pourrait être pas mal. Et du coup, je suis aussi à la recherche de toutes les cartes légendaires en brillante. Donc Lugia, Arceus, Celebi, Mew, Ho-Oh, Volcanion, Rayquaza, Jirachi, Genesec. Et j'espère que j'ai oublié personne. Voilà. Hop. Alors, petite ETB. Plutôt jolie. Hop. On a le petit livret. Hop. Avec la carte promo, le Ho-Oh brillant. Hop, on a le Mewtwo GX, NTGX, Genesec, Mew brillant. Hop. Tac tac, on passe rapidement. Du coup, là, on n'a pas les secrets. Hop, elles doivent être là, voilà. Donc, quelques full art et quelques rainbow. NT, Mewtwo, full art. Une dresseuse avec un signe éleveuse, je crois, ou une genre de fermière, c'est quoi qui est marqué éleveuse, ouais, c'est ça. NT, Raichu, Mewtwo et Zoroark en rainbow, et notre chase card, la Mewtwo incubateur. Donc let's go, c'est parti. Alors ça c'est pour les decks et les énergies. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 boosters. Légende brillante. Une carte promo. Ho-Oh brillant. Le Centering est pas trop mal. Elle m'a l'air en bon état cette carte. Très bel artwork avec des petits reflets un peu arc-en-ciel. Hop. Et après on a des goodies. Hop. Carte promo. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, les sleeves. Les dés. Et les jetons, les marqueurs. Voilà. Allez, nous voilà prêts. Les 10 boosters sont prêts. Les 10 chances de pouvoir tirer le Mewtwo. Du coup pour YouTube j'ai plus de vidéos d'avance, donc voilà, là je suis en train de voir pour faire une ouverture de coffret, donc je vais vous teaser ça sur Instagram Pokédigger VF et ouais, j'espère qu'il y aura du monde. J'espère qu'il y aura du monde, j'ai envie que ça soit un moment intéressant et qu'on puisse avoir du monde en live si possible, que je puisse
ouvrir ces coffrets un peu rétro qui commencent un peu à dater et qui ont quelques petites merveilles à l'intérieur. Et du coup, ouais, giveaway, je teaserai tout ça sur mon Instagram, Lily Rivers et Shaymin Holo. Je vais teaser tout ça sur mon Instagram. Il y aura un concours forcément avec like, commentaire, abonnement et tirage au sort. Donc voilà, je sais pas trop quand est-ce que ça va arriver. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible, évidemment. Mais voilà, n'hésitez pas à aller checker mes réseaux. Ça va devenir très intéressant pour vous, surtout. Chris, Alligator, Vortante, Voltorb, Gringolem, Abo, Chapignon, Limonde, Shaymin en reverse cette fois-ci, et Palkia. Donc, si vous connaissez pas encore, on est obligé d'avoir une holo dans chaque pack. C'est pour ça que voilà, c'est pas trop une dinguerie. On espère un peu plus. Donc, ouais, les chase cards, je rappelle, Mewtwo Incubateur, les légendaires brillants. Et voilà, je suis pas super fan forcément des rainbow qu'il y a ou des full art qu'il y a dans ce set. Et voilà. Hop, j'ai pas fait le card trick. Hop, 4. Let's go. Énergie psy. Golemastock. Attrape Pokémon. Léopardus. Limonde. Pikachu. Bulbizarre. Caïminus. Balignon. Crocodile en reverse. Et allez, on y va doucement pour celle-ci. Un Latios holographique. Jolie carte. On continue. Déjà le quatrième pack. Déjà au quatrième pack là. Les chances se réduisent. Je sais pas trop c'est quoi les pull rates là. J'ai pas regardé dans les ETB si ça marchait plutôt bien. Moi j'ai vu que c'était à peu près le meilleur moyen de choper des cartes intéressantes, donc on va tester, hein. On va tester. Mais ouais, les giveaways arrivent, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. On va faire ça rapidement. Double énergie incolore, échange, Florizarre, Mustboué, Caïminus, Matoufeu, Posipi, Lipoutou, Reverse, double énergie incolore et un Zekrom holographique. Je crois que je vais me garder le pack Rayquaza pour la fin, il est stylé. Il est stylé de ouf. Hop. Let's go, let's go. Ouais, donc le rythme va baisser sur YouTube. Je vais voir ce que j'ai là à ouvrir, mais peut-être favoriser les shorts. Ah si, j'ai une espèce de mystery box que je vais créer aussi. Donc ça va être une espèce de boîte en carton que je vais peindre, que je vais colorer. Et à l'intérieur, j'ai mis des cartes individuelles que j'ai commandées. Sur internet, sur eBay, ce genre de site, Card Market, un peu de Vinted aussi. Donc voilà, des cartes que j'ai commandées à l'unité, des cartes certaines ont 20 ans, donc voilà, des très très belles cartes. Je suis très content de mes achats. Et je vais mettre un peu ma main au hasard à l'intérieur, tirer des cartes
et vous montrer ce que j'ai pu récupérer. Mais franchement, c'est hyper cool et je suis très hyper pressé de tourner cette vidéo. Je pense que ça va être le feu. Le fuego. Bon, les petits Mew. Donc là, on est à notre sixième. C'est ça. On est à notre sixième pack. Donc déjà, oups, là, déjà plus de la moitié d'ouvert. Et toujours rien. Toujours cette chance légendaire. Je sens que ça va prendre du temps de tirer ce Mewtwo. Je sais pas si j'irai jusqu'au bout. Éleveuse de Pokémon. Électrode. Super Ball. Mustebué. Kaiminus. Matoufeu. Posipi. Liputu. Énergie de distorsion. Bon. Est-ce qu'on peut mettre un peu de folie dans cette vidéo, s'il vous plaît? Ah. Ça brille et je crois que... Oh là, c'est trop près le focus. Ça brille et je crois que d'habitude, ça brille pas, là. Ouh, notre première brillante. Volcanion brillant. Magnifique carte, j'adore cet artwork. Et cette petite texture qu'ils mettent sur les brillantes là, c'est vraiment... Oh là là. Il va me les falloir toutes. Volcanion, notre première, on va la mettre à côté de son ami. Oh oh. Bon bah voilà, ça prend une tournure intéressante cette ouverture. Il nous reste 4 packs à ouvrir. Et franchement... Franchement, je sais pas si je sens le Mewtwo, mais je pense qu'on peut avoir encore une dinguerie. Je sens qu'on peut avoir encore une dinguerie. Est-ce que vous le sentez aussi? Est-ce que vous le sentez aussi, là, hein? Si vous y croyez pas, on n'y arrivera pas non plus. Énergie Psy. Énergie de distorsion. Vous sentez la musique un peu épique qui arrive, là? Est-ce qu'il faut que je me dépêche? Super rappel, Mustebué. Posipi. Matoufeu. Bagiguane. Crocodile. Ah, c'est la première fois que j'ai une énergie reverse en ouvrant un pack de légendes brillantes. Intéressant. Bon. Un Reshiram, plutôt sympa aussi. En holo. Mais je suis content que ce soit une énergie électrique. Stylé des petites... Ouh là, il est lourd ce pack, non? Je vais le garder aussi pour la fin. Il me paraît... Oh, il me paraît ultra lourd ce pack. Ou alors c'est moi qui est fou, mais... Je sais pas, il me paraît ultra blindé. Artwork Mewtwo en plus. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un signe du destin? Holy shit. Allez. Code card. Hop. 1, 2, 3, 4, 8. Énergie fée. RIP. Lily. Florizarre. Hyper Ball. Négapi. Chakripan, Pyronille, Flabiaou, Balignon, Pikachu Reverse, d'accord, sympa, plutôt sympa, et Pikachu, peux-tu nous, c'est quoi ce focus là? Ah, merci, Pikachu, peux-tu nous, oh les gars, ça brille, ah, les focus là. Qu'est-ce qui me fait là? Les gars, est-ce que ce serait pas Arceus? En normal comme ça? Oh! Ok. Arceus brillant! Mais qu'est-ce qu'il y a avec ce focus là? Ça va m'énerver ça.
Arceus brillant. Très belle carte aussi. Hop. Bon, est-ce que je garderai pas le Mewtwo pour la fin finalement? Ça paraît plus si lourd que ça, bizarrement. Qu'est-ce que vous dites? Droite, gauche, droite, gauche. C'est pas en live, c'est moi qui choisis. Vas-y, je garde le Rayquaza pour la fin. Mewtwo, te caches-tu dans ton propre pack? Ça serait une belle histoire, j'avoue. Oh my god, ça a résisté un peu, j'ai cru que j'avais coupé une carte. Ouf! J'ai failli finir en sueur. Bon. Code card. 1, 2, 3, 4. Énergie plante. Alligator. Qu'on a déjà vu plusieurs fois. Énergie distorsion. Récupération d'énergie. Je sais pas si on l'a vu celle-là. Air bizarre. À la cool. Liputu. Negapi. Charter. Oula, Quillfish. Je ne me rappelais plus de cet artwork. Incroyable. Quillfish, un Abo Reverse et... Bon, allez. Là, les gars. Je sens qu'il y a une bonne énergie. Je crois que j'ai parlé trop vite. Raikou en holographique. Très léger le holo sur cette carte-là. Très, très léger. Ok, ok. Bon. Last one. Vous savez comment faut faire maintenant. Mettez les mains en l'air. Genkidama. Donnez-moi votre force. Putain, ce Quillfish, c'est incroyable. Il a mangé un truc un peu trop balèze pour lui, je pense. Mais non, je sais bien, c'est ce genre de poisson-là qui gonfle quand tu l'emmerdes. Quand tu le vénères, quoi. Énergie de combat. Ah, je suis prêt pour le combat, moi. Leopardis. Pyrax. On a du gros Pokémon. Spiritomb. Quillfish. Air bizarre. Charter. Oh, Bulbizarre. Coucou. Pikachu. Tu nous as porté chance tout à l'heure, Pikachu. Chakripan Reverse. Si je l'ai, j'avoue, je crois que la caméra va voler. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça peut être? Ça va être un Nilvelta ou un truc comme ça. Aïe, 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 aïe. Bon, pas si mauvaise ouverture. Pour rappel, deux cartes brillantes. Volcanion, Arceus. Moi je crois que... Je sais pas, j'ai pas de préférence en fait. J'aime bien Volcanion et le Arceus là avec le fond violet là, il est dingue aussi. Donc voilà, ces deux là. Et forcément, la carte promo, le OO brillant. Très joli effet de couleur sur cette carte. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et bah du coup, on va devoir se retrouver pour un prochain épisode. Hein, parce que le Mewtwo n'est toujours pas là. Donc restez connectés. On se revoit bientôt. Ciao les potes.